Salut Bissom, bienvenue sur Stubenko. Alors aujourd'hui on se retrouve entre la forêt et les vignes dans la vallée de la Bouche exactement, à Gresswiller. On va retrouver Alban Biche, artisan confiseur pour Biche de Bruche, que vous connaissez certainement. Il est vendeur sur Stubenko et il nous propose quotidiennement des très bonnes confiseries, à savoir des nougats, des pains d'épices et très récemment de la pâte de fruits. Et donc vous pouvez commander effectivement en livraison à domicile et retirer en magasin à travers le click and collect sur Stubenko également et retirer donc votre commande dans ces deux boutiques sur Strasbourg ou Aubernais. Donc voilà, on va y aller, on va faire un tour dans les laboratoires là où tout se passe et je vous promets une très belle découverte gourmande. A tout de suite. Salut Alban. Bonjour. Est-ce que tu peux nous dire où on se trouve aujourd'hui? Alors là, on est à Gresswiller dans notre labo de production. Tu peux nous faire une petite découverte là de... Ouais. Tiens, regarde, qu'est-ce qui se passe là-bas? Donc juste derrière moi, il y a Anthony, du coup, qui est en train de mouler notre pain d'épices, pomme cannelle, et qui va ensuite finir dans le four pour une cuisson à 135 degrés pendant 7h30. Donc le four qui est juste là, un grand four où on met 18 pains d'épices dedans. On arrive dans le labo, ben ça c'est la pâte de fruits, donc on fabrique nos pâtes de fruits aux fruits frais, c'est Jérémy là-bas derrière qui est en train de faire une cuisson de pâtes de fruits, fruits de la passion. Et à droite on a le nougat qui cuit, donc on a lancé ce matin. Et qui lui est parti pour 1h30 de cuisson. Et pour parler un peu maintenant de ceux qui pensent que le nougat, etc., c'est sucré, qu'est-ce que tu pourrais leur répondre? Alors oui, c'est un petit peu sucré, mais s'il est bien fait, on ressent vraiment le goût du miel et on arrive à faire quelque chose de pas très sucré au goût. Et sinon, on a un autre produit, c'est la nougatine, où là où il n'y a vraiment pas du tout de sucre, c'est uniquement du miel caramélisé et des amandes collées au blanc d'œuf. Et donc là, vous avez vraiment un produit vraiment sans sucre. Et donc pour le pain d'épices, il n'y a pas un gramme de sucre, c'est uniquement du miel. C'est uniquement du miel, ouais. Le plus gros de la recette, c'est le miel et la farine. Donc il n'y a pas de sucre, après des œufs frais, un peu d'huile et nos épices et de la levure. Donc il y a aussi quelque chose qui m'a surpris, c'est au niveau du pain d'épices, il faut 7 heures de cuisson. C'est ça, ouais. Justement, pour avoir le côté qu'on a toujours nous recherché, le côté bien humide, bien moelleux, on fait une cuisson basse température, on confie le pain d'épices en fait à 135 degrés pendant 7h30. Et du coup, ça lui donne cet aspect très humide et vraiment gourmand. Alors en pain d'épices, les variétés les plus vendues, donc c'est orange cointreau, pomme cannelle, nature et figue noix miel. Et en nougat, on va dire le pistache et après ceux à base de fruits, donc fruits rouges, orange et chocolat noisette. Et pour nous parler un peu de toi, tu peux nous raconter un peu ton parcours? Alors moi, j'ai commencé en tant que cuisinier à Strasbourg, au lycée hôtelier. Et par la suite, donc, j'ai acheté le lieu de Gresswiller en faisant du traiteur et du pain d'épices et du nougat. Et le pain d'épices et le nougat a tellement pris que je me suis arrêté de faire du traiteur et j'ai basculé vraiment sur la pâtisserie. Et on fabrique du coup maintenant uniquement confiserie, pâtisserie. Ici à Gresswiller. Donc nous on a deux boutiques, une à Aubernais, 5 rue du Marché et une à Strasbourg, 8 rue des Serruriers. Et ensuite sur internet ou alors sur le site Stubenko. Il y a une boutique là, vous êtes en train de faire des travaux éventuellement, non? Oui, on est en train de faire donc de refaire la boutique de Strasbourg. Vraiment super, super bien, elle est vraiment jolie. Donc avec des couleurs pastel qui iront bien avec les nougats, du coup on a des nouveaux nougats avec des colorants naturels, donc pour vraiment aller dans la boutique quoi, le côté vraiment candy shop. D'accord, et ce sera terminé pour quand? Normalement si tout va bien la semaine prochaine pour Pâques ça devrait être ouvert. Alban, est-ce que tu aurais un petit message à faire passer à ceux qui regardent cette vidéo?
bah, acheter le nougat d'Alsace. Merci Alban. Merci à vous. Bon, je vous montre ou pas? On vient de finir le tournage et bon allez, je vous en montre pas trop, mais je vous en montre quand même. Là, on a du pain d'épices. C'est cadeau, hein, tout ça. Hein. Franchement, je suis gâté. Du pain d'épices, de la pâte de fruits. Aïe, 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 du nougat. Là, on a les fameux, la fameuse nougatine aux amandes. Aïe, 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 je continue, j'arrête, je sais pas. Là, j'ai du nougat aussi. Enfin bref, voilà, j'ai une dizaine de produits, ça vraiment pour pouvoir me faire comprendre aussi la qualité des produits, et j'en ai déjà goûté. Franchement, c'est juste de la bombe. Voilà, clairement dit, c'est juste de la bombe. Donc voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Encore une fois, si vous souhaitez passer commande chez Biche de Bruche pour faire plaisir à vos proches et pour vous faire plaisir aussi pour Pâques, pourquoi pas, ou même tout au long de l'année, rendez-vous sur Stubenco chez Biche de Bruche, où vous pouvez commander en ligne et vous faire livrer à domicile ou retirer en click and collect dans ces boutiques de Colmar et de Obernai et de Strasbourg. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Merci à tous. Salut, bisous.